Ce matin, prions à l'honneur de la fête de la Toussaint et prions aussi pour la fête des morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Christ, toi qui es revenu de la mort, toi qui nous as appris par la résurrection que rien ne s'éteint jamais. Seigneur, toi qui nous as renseigné les plus belles leçons de la vie données par ton Père, par ton message prophétique et divin, nos cœurs fragiles en toutes choses espèrent. Espère en ce jour de Toussaint, qui par les paroles et les gestes de tous les saints et de toutes les saintes de notre terre, nous puissions à leur image proclamer ton amour. En ce jour de la fête des morts, que ce jour où nous nous souvenons de nos défunts et de nos défuntes, et que nous honorions leur présence et nous nous commémorons leur vie. Nous te confions la protection de notre famille, de nos amis, de nos proches. Dieu notre Père, du haut des cieux, prends soin de nous et fais que nous reconnaître de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le jeudi vous invite à dire votre mot. Vous avez des idées, des suggestions? Vous aimeriez participer à un comité de niveau au comité de la pastorale, de la francophonie, multiculturelle ou de l'environnement? Allez remplir le très court sondage dans votre classroom de niveau pour nous signaler votre intérêt. Allô guys, j'ai un message pour vous. Je passe de l'appel. Ok, so basically, on a un message très important pour vous. Moi, la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Donnel. So basically, moi, je fais partie du comité inclusion / Black Lives Matter et nous avons un message très important pour vous. Le compte Instagram Educare a été conçu lors de l'année scolaire 2019-2020 dans le but de veiller sur le bien-être des élèves et de valoriser leur voix. Afin de pouvoir faire ceci, il y a des publications à tous les jours, dont certaines qui sont des projets collaboratifs. Une des meilleures formes de projet collaboratif est un montage qui demande la participation des abonnés. Par exemple, celui de la vague, comme vous voyez ici. 1, 2, 3, 4! Pour le côté bien-être, plusieurs publications étaient axées sur des stratégies pour promouvoir le bien-être et un mode de vie sain. Certaines de ces stratégies comprennent des techniques de respiration afin d'aider à calmer le stress, ainsi que des applications qui aident à pratiquer la pleine conscience en offrant des exercices de méditation. Un autre aspect important de la vision Educare est de sensibiliser les élèves. Un thème fortement discuté l'an dernier était bien sûr la pandémie de la COVID-19, que ce soit les bienfaits de celle-ci sur l'environnement ou les bonnes actions des gens dans la communauté. Une autre manière de sensibiliser est d'être solidaire envers des mouvements importants tels celui de Black Lives Matter. Toutes ces publications variées forment la vision Educare de valoriser l'humanité, propager l'amour et susciter la curiosité. Afin de participer à cette vision, assurez-vous de vous abonner au compte Educare C'est nous sur Instagram. Je m'appelle Isabelle. Elles vont encore à l'écoute? Je m'appelle Lisa. Et Yardley. Et on est ici pour faire entendre nos voix. Pour faire entendre les voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Salut guys, moi c'est Christelle et ensemble avec le comité BLM, nous voulons faire une différence dans la communauté. Est-ce qu'on a votre attention? Bonjour, je m'appelle Kessia et Tamara. Et avec l'aide de Madame Robert, on va créer des projets, des concours et des accessoires, tout en lien avec le bien-être et le mouvement BLM. Le silence tue. Ensemble, levons nos voix.